Hey, welkom terug. Dit is John Alaforce met One Night Out met John Alaforce natuurlijk. Seizoen 2, episode 1, helemaal opgepint, 1.0. En in deze aflevering zullen we heel veel aan de kust vertoeven. Nu, straks vertrekken we naar Knokke en ik hoop dat jullie niet zullen schrikken, want ik was helemaal geschminkt. En dit was ter gelegenheid van een fotoshoot die we de dag zelf gedaan hebben voor Deep Dictation, ons eenjarig bestaan, op 14 november, met het thema Dia de los Muertos in Verso. Nu stel ik voor om te vertrekken naar Knokke. Dit is Parallel Universe. Imagine you could find an explanation for everything in the universe. From the smallest events possible to the biggest. This is the dream which has captivated the most brilliant scientists since Einstein. Now they think they may have found it. Voilà mensen, Buddha Bar Knokke. Ik sta hier naast Soy Kerkhoffs, opkomend talent uit Nederland in de progressiewereld. Soy man, eerste keer hier in Baden? De tweede keer. Tweede keer, de eerste keer was in Gent. De eerste keer was in Gent. Ja, en, in Nederland. Nu, dat was super hè? Ja, het was super en nu trots om de tweede keer hier te zijn. Ja, dus nu al de tweede keer in Baden dat je bent. Je hebt ook een label, het heet Morning Glory. Je bent al steeds sinds 2011. Ja, 2011. Al veel releases intussen? We hebben aanstaande maart de 100ste release. De 100ste release? De 100ste. Jullie zijn bezig bij ons, ja. Ja. Super. Morning Glory, enkel in Nederland of zijn je ook met andere artiesten bezig te promoten hier in België? Morning Glory Music is een label dat heeft internationale artiesten. Ik denk dat we er 2 of 3 in Nederland hebben. Misschien 3 in België, max. En de rest van de 84 artiesten zitten in het buitenland. Ja. Nu is het wel zo, ik zal even aan al de mensen die ik interview, want vele jonge mensen beginnen met draaien, met producen, ja. Maak maar uit. Wat is volgens jou de beste raad dat je kunt geven aan die mensen zelf? De mensen die beginnen. Aan die mensen die beginnen. Dan de beste raad die je kan geven aan mensen die beginnen is begin met 2 platenspelers. En koop platen. Ga leren om platen te mixen. Dus wel de basis van het vak? De basis van het vak is gewoon vinyl. Platen leren mixen. Gelijk zetten, doormixen. Ik kom een hele hoop DJ's, artiesten, producers tegen. Die zijn supergoed in hun vak, maar ze kunnen geen plaat mixen. Dat is inderdaad wel jammer. Ja, en ze zijn echt supergoed, alleen mensen, en dan richt ik me op de nieuwe DJ's, mensen richt je op het DJ-vak. Ga leren platen mixen, geen software, geen sync of hoe je het ook wil noemen. Koop platen, kloppen een paar platenspelers, cd-spelers en ga gewoon leer om muziek aan te zetten, een andere plaat aan te zetten op een cd-speler en op je gehoor gelijk zetten. Dus wat andere woorden, oefening baart kunst. Dus voor Chesco Stars, welkom, zo je kent. Dankjewel. Gasten, met een kleine announcement te doen voor Jonah exclusief.
Soy, as known as aka Morning Glory, heeft getekend bij Chesco Stars, exclusief en wereldwijd. Meer nieuws in the future, near future. Thank you, bye bye. Roddy Reinaert van zijn eigen label Ifonica, maar heeft ook heel veel producties uitgebracht op Perfecto. Bonsoir Roddy. Bonsoir. Très bien. Je viens d'entendre ton set, il était super. Merci. Il était clean à mort. Alors, présente-toi, t'es qui? Roddy Reinaert, producteur depuis maintenant 1997. J'ai commencé vraiment ma carrière en 2010, notamment avec trois titres que j'ai pu signer chez le label de Above and Beyond, Anjuna Beats, sous la division qui s'appelle Anjuna Deep. C'est déjà un grand label. C'est un grand label, c'est une major. C'est une major anglaise qui permet aux jeunes artistes, aux talents de se faire découvrir et d'avoir l'opportunité d'aller au-delà de ce qu'ils peuvent faire. On a aussi entendu beaucoup de nouvelles productions de toi ici dans ton set. Ça vient sur quel label? Alors il y a des productions qui sont. Il y en a beaucoup qui ne sont pas encore sorties. Parce que j'aime prendre le temps de pouvoir aussi tester ces titres en public, de voir quel est le ressenti avec le public, et voir dans quelle direction ils peuvent être éventuellement retravaillés, et vers quel label vraiment ça peut être produit. Rien n'est absolument définitif, donc ça me permet de prendre le temps d'avoir un temps de réflexion là-dessus. Correctement si je suis faux. Mais je trouve pour le moment que le son progressif est vraiment à nouveau monde. Pour le moment. Oui, c'est vrai que depuis pas mal d'années maintenant, on est rentré dans une phase de popularisation de la musique électronique. Et la nouvelle génération, elle est née dedans. Et alors il y a eu deux chemins qui ont été pris, il y a l'EDM, ce qu'on appelle le Big Room, mais plus populaire pour eux sur le thème de Progressive House, qui crée des ambiguïtés avec la Progressive House que nous on connaît, qui est underground, et là les jeunes sont confus, enfin bref, donc il y a l'EDM, et puis là il y a eu cette vague de Deep House, un peu, donc là aussi il y a encore, mais il y a des nouvelles, musiques qui arrivent, des nouvelles, c'est un arbre avec des branches et des feuilles, et puis on découvre des nouveaux styles, il y a des fusions, il y a la Deep House vocale, il y a aussi l'Indie, je connais qui est plutôt expérimental, je crois. En fait, on est plus dans l'aspect disco, avec des BPM relativement lents, vocales, très épurés, pas... Voilà. Et puis on a cette deep house vocale qui est, elle, plus pop. Et elle touche un vague public là aussi, puisqu'on est dans une espèce de pop actuel. Pourquoi tu te focuses plutôt sur la musique progressive avec ton projet? Alors, je suis dans la progressive, c'est vrai, depuis toujours. Ça ne m'empêche pas d'expérimenter des alternatives. Ça peut partir un peu de trance, ça peut partir même techno. Il n'y a pas de règle en fait, c'est selon l'inspiration et seul ou en collaboration. Et on m'a dit aussi que tu as fait des releases sur Perfecto. Alors les remixes de Perfecto, en effet, j'ai pu signer un remix notamment pour Sophie-Alex Bextor dans son dernier single. Très bonne chanteuse. Oui, très connue en Angleterre, qui avait d'ailleurs sorti un titre, un tube dans les années 2000. Son premier tube, c'était Spider. Il y a eu Groove Jet, et il y a eu Murder on the Dance Floor, et il y en a eu d'autres aussi, et là elle est revenue avec un nouveau single qu'elle voulait présenter, et j'ai été contacté pour faire ce remix, et c'est là que je suis rentré chez Perfecto, puisque par la suite, ils m'ont recommandé d'autres remix pour d'autres artistes. J'ai encore une question pour toi. Pour les jeunes producteurs, DJ, quel serait quelque chose qu'il doit faire
pour aller dans l'élan de la carrière, pour grandir, qu'est-ce que serait ton... Aïe. C'est difficile à dire parce que c'est un métier difficile. Et la plupart des gens qui aiment, qui ont envie de passer à l'action, et c'est légitime puisque quand on est DJ, on a envie de passer à l'action et de créer, c'est normal. Tous les artistes ont envie de toujours se surpasser. C'est pas si facile que ça. Il y en a qui ont la facilité de pouvoir faire des prods assez facilement. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie et ça demande un minimum de connaissances pour atteindre un niveau sonore aujourd'hui qui est primordial puisque le son a évolué, les techniques d'ingénierie ont évolué et si on n'est pas dans le son, on est à côté. Mais il faut aussi la passion, il faut aussi la patience. Il faut la patience, il faut la passion, il faut l'énergie, il faut aussi cette niaque, mais il faut aussi rester terre à terre parce que c'est vrai que si tu vas les yeux fermés avec des yeux, enfin avec des étoiles plein les yeux et que tu penses que tu vas devenir connu, c'est faux. Il y a des millions d'artistes qui rêvent de réussir et il n'y a qu'une poignée d'élites qui parviennent au top. Mais la persévérance, toujours. Persévérer, toujours, oui, c'est sûr, faut pas baisser les bras. Alors c'est pas. Certains abandonnent, certains persévèrent, et puis on peut y arriver au bout de 10 ans. Hein. Il y en a qui peuvent y arriver au bout de 2 mois, et il y en a, c'est au bout de 10 ans. Et ça, l'industrie de la musique est devenue assez complexe. Hein. Il y a des artistes qui ont fait des tubes, qui sont devenus extrêmement populaires du jour au lendemain avec un seul titre, mais il faut pas se laisser rêver à se dire que c'est possible pour nous, puisque c'est un schéma qui est vraiment construit, prédéfini, où il y a vraiment des équipes derrière, il y a des investisseurs et il y a toute une chaîne de business qui joue un rôle important pour ces artistes qui sont pas toujours des artistes, mais plus souvent des chamans. Dit was Roddy Reinhardt voor One Night Out met Jonah LaFosh. Roddy, merci pour l'interview. Merci. Ciao.
En zoals bij iedere episode heb ik verrassingen voor jullie. Jawel, 2 kortingsbonnen ter waarde van 10 euro. En dit van onze goede vriend BPM Music Record Store. Hoe kan je die winnen? Eigenlijk zeer simpel. Je deelt deze episode, je tagt me in je Facebook bericht en je schrijft erbij, ik wil deze kortingsbon. En wie weet, op 14 november bij Dia de los Muertos op ons concert Deep Dictation in de Verso word jij misschien eruit getrokken. En zoals mijn goede vriend Dylan zou zeggen, doen! En we zijn terug toegekomen aan het laatste deel van deze episode. Het laatste deel is altijd voor deze nieuwe concepten, deze ontluikende parels. En ik heb deze keer 2 concepten bezocht. Full House in Ieper en Luidgefluister in de Cabo in Blankenberg. 2 concepten die heel veel potentieel hebben om te doen. Graag zie ik jullie de volgende keer in episode 2 van meer One Night Out.